Je vais vous présenter des éléments de l'évaluation de l'information préventive face au risque inondation. C'est une étude qu'on a menée sur 2 ans, sur 2 territoires, Orléans et Arles, et qui a donné des résultats assez intéressants. Je vais commencer par le contexte local de chacun des 2 sites. Le premier, c'est le Val d'Orléans. Le Val d'Orléans en entier, c'est 60 000 de personnes en zone inondable. Pour la ville d'Orléans, on en compte à peu près 22 000. Une inondation qu'on a le temps de voir venir un petit peu, 4-5 jours à l'avance, et puis 48 heures à l'avance, on sait s'il faut évacuer ou pas. Les autorités ont prévu une évacuation massive du Val à sec. C'est-à-dire que les gens partent. L'eau n'est pas encore arrivée. Donc c'est un certain confort, mais c'est aussi une difficulté par rapport à la perception de la nécessité d'évacuer. À Orléans, pas d'inondation depuis de 1866, presque 150 ans. À Arles, on a une inondation beaucoup plus récente, 2003, une inondation importante, qui a laissé globalement dans les mémoires l'impression d'un événement qui a été bien géré. Il n'y a pas eu de décès, il faut le savoir, en 2003. Et comme à Orléans, le risque, un des risques, c'est la rupture de digue. Après, Arles est aussi soumise à d'autres types d'inondations, du ruissellement, de la submersion marine, qui complexifient un petit peu les choses. Dans ces 2 contextes, les autorités, évidemment, comptent sur un certain comportement des populations au moment de l'événement. Pour ça, il y a des actions de sensibilisation qui sont mises en œuvre. Alors, ça peut être c'est un peu plus général, c'est pas forcément les choses qui sont mises uniquement en place sur ce territoire-là. On peut avoir des manifestations artistiques, de la formation, des jeux éducatifs, mais aussi des diagnostics de la vulnérabilité, l'élaboration de plaquettes, des documents, des guides. Par exemple, à Orléans, ils ont publié « Vivre en zone inondable, quels réflexes adopter ?» C'est un exemple. Et puis, il y a 5 dispositifs réglementaires, dispositifs qui sont obligatoirement à mettre en place sur les territoires pour aider à faire face à cette situation. Vous les connaissez très certainement, hein, sont les réunions publiques, les documents d'information communale sur les risques majeurs, les 10 crimes, l'affichage des consignes de sécurité et les repères de crues. Ces 4-là sont dans les mains du maire, et puis il y a l'information accueilleur locataire, l'IAL, qui elle est à mettre obligatoirement en place par les bailleurs et vendeurs de biens immobiliers. Ça concrétise le droit à l'accès à l'information des populations qui est inscrit dans notre droit depuis 1987. Et il faut bien se rendre compte que c'est une information qui est rendue disponible pour le citoyen. Ce n'est pas forcément une information qui va jusqu'au citoyen, sauf pour l'IAL. Tout le reste, c'est une mise à disposition d'informations. Et puis ces 5 dispositifs, plus généralement, ils doivent amener les gens à adapter leur comportement. Ce sont les attentes du législateur au regard de la responsabilisation du citoyen. Elles ont un petit peu évolué entre 87, 2003 et 2004, qui est la dernière loi qui a modifié l'information préventive. Elle a évolué d'un citoyen avec un rôle relativement restreint au périmètre de sa sphère personnelle à un citoyen auquel on demande d'être acteur de la sécurité civile par son comportement. Donc on change d'échelle. Et puis, à côté de ça, l'information préventive, elle est censée contribuer à la construction d'une mémoire collective qui permet d'assurer la solidarité, renforcer les liens sociaux, maintenir les mécanismes de compensation. Elle doit aussi participer à l'apaisement des peurs et des craintes. Les attentes principales, donc, c'est un comportement adapté et une implication dans la sécurité civile. Est-ce que cet objectif est ambitieux ? On peut regarder déjà quelle est l'attitude des populations globalement face au risque. Une étude nationale en 2011 a montré que le risque d'inondation était classé en dernier sur la liste des enjeux liés à l'eau par les personnes qui avaient été interrogées. On sait qu'à peu près 15% des personnes connaissent, les personnes exposées au risque, connaissent les consignes des autorités pour faire face et se protéger elles-mêmes. Et on note, dans tous les événements, ou presque, encore des décès qui sont dus à une mésestimation du danger,
une méconnaissance du danger et aussi à des comportements qui dénotent une prise de risque certaine. Donc une population peu concernée par le risque inondation, qui mésestime le risque et le danger, des comportements non adaptés. Quand on regarde ça, on a envie de s'interroger sur quel est le véritable impact de cette information préventive qui doit être obligatoirement mise en œuvre. En regardant de manière un peu théorique le mécanisme de fonctionnement de l'information préventive et des quatre dispositifs réglementaires, on se rend compte que l'atteinte des objectifs repose sur deux présupposés. Le premier, c'est que la simple mise à disposition d'informations est suffisante pour que le citoyen prenne connaissance du risque, ce qui sous-entend qu'il va être actif de lui-même pour aller chercher de l'information. Et le deuxième, c'est que le simple fait de recevoir de l'information sur le risque et sur les comportements adaptés, ça va le faire passer d'un coup du stade de non-connaissance de sa situation à un citoyen responsable et actif. Alors ces deux éléments, ça prend pas forcément en compte les facteurs de réussite des démarches d'adaptation comportementale, ni même les facteurs qui ont été mis en évidence par les études sociaux et psychologiques. Nous, pour regarder où en sont les populations des deux sites d'études, on s'est basé sur une étude qualitative. On a rencontré une soixantaine de personnes, 32 à Orléans, 30 à Arles. On a choisi de faire des entretiens individuels, relativement longs. Les plus courts duraient une demi-heure, il y en a qui ont duré jusqu'à plus de 2h30, avec une moyenne autour d'une heure, donc ça nous a permis de prendre le temps de discuter avec les gens. Et pour comparer les situations des personnes entre elles, on s'est basé sur le point central de l'adaptation des comportements, qui est la perception du risque. On a une échelle de perception du risque, je crois que j'avais déjà pu vous la présenter au préalable, mais qui va de l'absence de connaissance, une connaissance incomplète, la connaissance, la conscience et l'acceptation du risque, en phase desquelles on peut mettre des stades de comportement. La précontemplation, c'est un stade dans lequel les gens ne perçoivent pas de problème à leur situation. La contemplation, les gens prennent conscience de ce que leur situation n'est pas suffisamment confortable pour eux. La préparation, sur la base de cet inconfort ressenti, les gens envisagent de mettre en place des actions. La mise en œuvre des actions et finalement la maintenance des comportements adaptés. Par rapport à tout ça, on a toute une liste d'indicateurs qui nous permettent, sur la base des entretiens qu'on a fait, de positionner les gens dans cette échelle des perceptions et des comportements. Alors, je ne vais pas détailler les caractéristiques, les grandes caractéristiques des deux populations qu'on a rencontrées. Par contre, je vais juste vous dire que c'est des gens dont on sait que pour nous accorder jusqu'à 2h30 de leur temps sur la thématique des inondations, c'est forcément des gens, je vais dire, c'est pas un terme très sympa, mais c'est un peu le dessus du panier par rapport aux inondations. C'est des gens dont on sait qu'ils s'intéressent un petit peu plus aux inondations que le reste de la population. Donc c'est à prendre en compte aussi dans nos résultats. Alors, la première question à laquelle on a essayé de répondre, c'est est-ce que les dispositifs atteignent leur cible ? Alors l'affichage, on l'a interrogé seulement à Arles, mais il n'y a qu'une personne qui nous a dit qu'elle l'avait certainement déjà vu quelque part. Le DICRIM, sur Arles et Orléans, 62 personnes, il y a 4 personnes qui le connaissaient. L'information acquéreur-locataire, 5 personnes, alors que c'est un ordre de grandeur, mais on est entre 25 et 30 personnes qui se sont installées après 2006. Donc en théorie, toutes l'ont eu, mais toutes ne s'en sont pas rendues compte. Les réunions publiques, on a une dizaine de personnes qui les connaissent. Et puis, il y a un petit artefact sur les repères de crues. Les repères de crues, il y a 6 personnes qui les connaissent à Arles, 32 personnes qui les connaissent à Orléans. Donc on a cherché à creuser un petit peu plus. En fait, à Orléans, les gens connaissent les repères de crues historiques, ceux qui sont gravés dans les pierres, marqués en rouge. Ceux-là, tout le monde les connaît, ils sont à proximité du fleuve. Par contre, les nouveaux repères de crues, les macarons ronds, qui ont le format officiel et qui ont été installés dans la zone inondable à proximité des habitations, ceux-là, les gens ne les connaissent pas. Alors c'est intéressant parce que ça induit plusieurs choses. Déjà, c'est le côté historique que les gens retiennent. Et avec ce côté historique, il va aussi un côté un peu désuet des inondations. C'est un peu, les pauvres gens au 19e quand même, qu'est-ce qu'ils ont pris? Mais nous, heureusement, maintenant, c'est plus pour nous. Il y a vraiment ce côté-là.
Et puis en plus de ça, c'est très difficile pour les gens de faire le lien avec ce qui est indiqué comme hauteur d'eau sur les repères de crue et chez eux, ne serait-ce que par la distance, et puis même simplement à 50 ou 100 mètres, bah avec les petites variations de la topographie au sol, les gens n'arrivent pas à percevoir vraiment le message qui est donné par les repères de crue. Du coup, ça pose la question, on constate que les gens ne s'informent pas avec les dispositifs réglementaires, comment est-ce qu'ils s'informent ? Alors, leur source d'information à Orléans, pour découvrir la découverte de la situation aux eaux inondables, se fait beaucoup par proximité avec la Loire. Le fait que les gens qui n'habitent pas trop loin du fleuve le voient régulièrement se disent « bon, bah, peut-être qu'on est en zone inondable ». Ensuite, pour le reste, une fois qu'ils savent, connaissent leur situation, ils s'informent beaucoup par le bouche à oreille et le réseau personnel. À Arles, la découverte du fait d'habiter en zone inondable vient de la connaissance, de la lecture, de l'interprétation du territoire et beaucoup, de fait, des inondations de 2003. Pour le reste, une fois que les gens ont pris conscience de leur situation en zone inondable, ils utilisent les informations qui viennent de la communication de la ville en dehors des dispositifs réglementaires et les médias locaux pour s'informer sur le risque. Donc, on ne trouve pas les dispositifs réglementaires dans les sources d'information des gens. Au niveau national, pour comparer, les principales sources d'information sont les médias, Internet, les collectivités locales. Et on se rend compte que si on met les collègues de travail et ses proches, finalement, ce qui est le bouche à oreille et le réseau, c'est la troisième position au niveau national. Donc c'est quelque chose de relativement important, ce lien direct des gens entre eux. Il y a une partie des gens qui recherchent activement d'informations, pour des raisons différentes, hein, s'informer pour savoir si le logement est situé en zone inondable, par intérêt sur le sujet, les gens qui suivent le niveau du fleuve régulièrement, en vue d'un projet de construction, s'informer sur l'impact d'une innovation sur son logement, dans le cadre professionnel et parfois pour compléter une information reçue par voie de presse. Ce que ça dit, c'est qu'en gros, les gens qui vont chercher l'information, c'est quand même des gens qui ont déjà une sensibilité initiale face au risque. Ou alors, on peut y entrer par un projet immobilier. Donc en gros, d'après ce que les gens nous ont dit, c'est la seule entrée pour quelqu'un qui n'est pas déjà sensibilisé au risque d'innovation, c'est bah, j'ai voulu faire des aménagements dans ma maison, j'ai dû me renseigner, et là j'ai peut-être buté à des contraintes, mais c'est pour ça que je me suis renseigné sur le risque d'inondation. Et dans ce cas-là, je ne vais pas lister toutes les sources d'informations qu'ils utilisent, mais on se rend compte encore une fois qu'il n'y a pas les dispositifs réglementaires. Alors la deuxième question importante, c'est les dispositifs, bien qu'ils soient peu connus, est-ce qu'ils permettent l'adaptation des comportements ? On a regardé du coup la position des gens qu'on a rencontrés dans nos échelles de perception du risque et d'adaptation des comportements. Alors, à Orléans, on a une personne en absence de connaissance. Elle ne sait pas qu'elle est située en zone inondable. On a une personne en situation de déni, c'est-à-dire qu'elle considère que ça ne peut pas arriver, enfin, ou que c'est trop gros pour elle et elle écarte le risque. Une personne qui délègue, c'est-à-dire qu'elle dit bah non, le risque, c'est pas pour moi, c'est les autorités qui doivent s'en occuper. Le gros de la troupe est en connaissance partielle. Et puis, on a deux personnes en connaissance, une en conscience et cinq ou six, je ne lis pas très bien, six en acceptation. Pour Arles, on a une structuration de la population qui est comparable. Hein. On retrouve peu de personnes sur les stades, absence de connaissance, déni, délégation, trois. Beaucoup en connaissance partielle. Et puis connaissance 2 personnes, conscience 4 et acceptation 3 personnes. Les stades de comportement, ben, sans surprise par rapport au stade de perception, les gens sont principalement en pré-contemplation, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas de problème à leur situation actuelle, dans la très grande majorité. On a peu de personnes dans les stades intermédiaires qui sont contemplation, préparation, c'est logique, c'est les stades intermédiaires, c'est les stades dans lesquels on transite, mais on n'y reste pas. Et puis, quelques personnes en action et en maintenance. Donc, globalement, ce que ça nous dit, cette photographie des populations, c'est qu'on ne peut pas attendre de ces populations, l'ensemble de cette population, une adaptation comportementale rapide et radicale. Et donc, le corollaire, c'est qu'avant d'amener ces gens dans les comportements actifs, dans les stades de comportement actif, il va certainement falloir travailler fortement sur la perception du risque. Alors, est-ce que c'est très différent de la population nationale ?
On s'est rendu compte qu'il y a 2% de la population métropolitaine qui a déjà mis en place des actions face au risque d'innovation. Ça, c'est les résultats de l'étude ESER de 2013, qui ont été publiés en 2015 par le CGEDD. 3% ne l'ont pas encore fait, mais sont prêts à le faire. 2% déclarent ne pas avoir les moyens de le faire, et 10% qui ne le feront pas parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Ça, ça constitue les 17-18% de personnes qui connaissent les recommandations des autorités pour faire face au risque. Le reste de la population ne connaît pas les actions préconisées. Donc finalement, nos classements de population montrent quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça du niveau national. Qu'est-ce que ça trahit derrière cette position des gens dans les stades de comportement ? Que le risque est globalement mal connu, évidemment. Cependant, une majorité de personnes sait être exposée au risque d'inondation. Normalement, seulement 5 qui ne savaient pas qu'elles étaient exposées au risque d'inondation. Alors qu'au niveau national, c'est seulement 28% des Français qui habitent dans des communes à risque qui pensent être exposées. Donc on a une perception du fait d'habiter en zone inondable, d'être exposé au risque, qui est un peu plus élevé qu'au niveau national, qui est nettement plus élevé qu'au niveau national. À Arles, on a regardé 4 caractères, la nature des risques, les types d'inondations auxquelles les personnes sont soumises, le ou les délais d'alerte, les actions préconisées par les autorités, et là ou les durées de submersion. On se rend compte que 2 personnes n'ont aucune connaissance des caractéristiques du risque, 9 une note inférieure à 1, entre 8 entre 1 et 2 points, 10 entre 2 et 3 points, et une seule personne qui connaît vraiment le risque et ses caractéristiques. Alors à Arles, c'est un peu particulier, parce qu'il y a plusieurs types d'inondations qui menacent le territoire et les mêmes personnes. Les gens ont souvent une idée globalement correcte de l'inondation de 2003, mais les autres risques, c'est très flou, ce qui est amené à devoir... On considère qu'il y a une connaissance de ce qui est 2003 à peu près correcte, mais pour le reste, une assez importante méconnaissance du risque. À Orléans, c'est un petit peu différent. On a regardé la connaissance que les gens avaient des hauteurs d'eau auxquelles ils étaient soumis, la durée de submersion, le délai d'alerte et l'idée qu'il fallait évacuer le plan d'évacuation des autorités. On a quand même 13 personnes qui n'ont aucune connaissance d'un de ces 4 paramètres-là. C'est presque la moitié de la population qui ne sait pas à quoi elle est exposée. On a 8 personnes qui connaissent un paramètre, 2 personnes qui en connaissent 2, et on a 5 et 3 personnes qui en connaissent 3 et 4 paramètres, donc dont on peut considérer qu'elles ont une connaissance à peu près correcte du risque. Et la connaissance des comportements pour faire face au risque d'inondation des Orléanais, elle est issue des événements d'inondations rapides, torrentielles, qui ont été médiatisés ces dernières années. Donc les gens nous disent, oui, face au risque d'inondation, moi je vais monter dans l'étage à étage et puis je vais attendre. Ou alors quand on leur demande, il faut évacuer, pour eux l'évacuation ça peut être aller évacuer dans la maison du voisin, parce que la maison du voisin elle a un étage et pas la leur. Donc on se rend compte, et quand on demande aux gens globalement s'ils sont prêts à évacuer, on a un taux de réponse de 99% de gens qui disent oui, j'évacuerai si jamais ça m'est demandé par les autorités. Donc il faut se méfier de cette réponse, parce qu'on sait qu'elle se base sur une perception fausse de ce que serait l'inondation, donc de ce que serait l'évacuation. Les gens ne s'attendent pas à devoir partir pour plusieurs semaines, ils ne s'attendent parfois pas à devoir partir de chez eux, pour eux, monter dans les étages, ça peut être considéré comme évacué. Voilà, donc il faut vraiment prendre en compte la finesse des choses pour savoir ce que ça veut dire. Donc j'ai un peu anticipé sur cette diapo là pour Orléans. Et pour Arles, les comportements, la connaissance des comportements vient beaucoup de l'inondation de 2003. Mais comme je vous le disais, Arles est soumise à plusieurs types d'inondations. Et donc les comportements que les gens ont déduits de ce qu'ils ont vécu ou de ce dont ils ont entendu parler en 2003 ne sont pas forcément adaptés aux autres types d'inondations. Et là, on voit un des effets pervers de l'expérience, qui est évidemment utile, mais qui forme aussi une espèce de carcan intellectuel. Ce fait que les gens qui ont vécu un événement ont du mal à imaginer quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'ils sont assez enclins à se préparer et à bien percevoir le risque qu'ils ont déjà vécu, mais ils ont du mal à envisager d'autres choses. On se rend compte aussi que les gens ont une difficulté à envisager des actions pour toutes les phases de l'inondation. En temps de paix, en juste avant, pendant l'événement, et puis la phase de retour à la normale. Et ça, c'est logique, ça vient de leur méconnaissance du risque d'inondation. Et puis, il y a des éléments qui viennent perturber la perception du risque. Les gens nous disent, moi je vois des habitations qui construisent autour de chez moi, ça veut certainement dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques.
Il y a des gens à Arles qui nous ont dit, bah, on a construit des digues maintenant. Il y a même une personne qui habite juste derrière la digue qui nous a dit, ah ben non, regardez, il y a la digue, moi je ne suis plus en zone inondable. Donc il faut bien prendre en compte la cohérence des différents pans de la gestion du risque inondation et puis des autres politiques avec la sensibilisation des populations. Les dispositifs doivent aussi lutter contre le quotidien. On s'en est rendu compte en regardant ce qui avait motivé les gens à s'installer là où ils habitent. À peu près dans nos deux échantillons, il y a la moitié de la population qui savait qu'elle s'installait en zone inondable et l'autre pas. Et on se rend compte que globalement, ben, c'est des raisons pratiques, c'est l'attirance pour le lieu, c'est des raisons économiques qui, qu'on sache ou qu'on ne sache pas qu'on s'installe en zone inondable, sont les facteurs prédominants à l'installation. Donc en gros, c'est le quotidien qui prime par rapport au risque. On s'est demandé aussi si les dispositifs permettaient l'apaisement des peurs. C'est un point assez important. Alors, on a peu de personnes en situation d'inconfort psychologique. On en a 4-5 dans chaque échantillon. Sur des profils différents à Arles et Orléans. À Orléans, c'est des gens qui sont mieux informés, qui ont plus de sources d'informations, qui connaissent mieux le risque. À Arles, paradoxalement, c'est des personnes qui n'ont pas vécu, sauf une, l'inondation de 2003, et qui sont un peu moins bien informées. Mais globalement, elles nous font plus ou moins toutes état d'un manque d'informations sur le risque et le comportement à tenir, une inquiétude quant à la protection de l'habitation, et puis une impression d'un manque de préparation des autorités qui génère chez eux un inconfort. Le gros de la population est plutôt sereine, hein, attention. Les facteurs de sérénité à Orléans, ben, on pense que ça vient quand même de l'absence d'événements depuis 150 ans qui rend le risque pas vraiment plus qu'hypothétique, je vais dire, dans la tête des gens. Et à Arles, c'est le fait que la crue 2003 elle s'est laissé le souvenir d'un événement qui s'est bien passé. Et à Orléans, les gens qui sont stressés sont aussi les gens qui connaissent les dispositifs. Donc les dispositifs pour ces gens ne participent pas à réduire les peurs. Et à Arles, les gens qui connaissent les dispositifs qui ne sont pas stressés ne nous ont vraiment pas indiqué d'éléments qui pourraient laisser croire que ça a participé à leur sérénité. Donc on considère qu'ils ne participent pas à réduire les peurs. Par contre, la perception de la menace, ça peut être un élément important pour l'adaptation des comportements. On s'est rendu compte qu'à Arles, les personnes d'inconfort psychologique envisageaient plus d'actions, à la fois en anticipation et en réaction par rapport à l'événement. Ça ne veut pas dire qu'elles en ont déjà mis en place. C'est-à-dire que quand on leur demande, elles en anticipent plus, elles se projettent mieux dans l'événement que les autres. À Orléans, les 8 personnes qui mettent en place des actions, elles ont une meilleure connaissance des inondations, connaissent plus d'outils réglementaires et ont plus de sources d'informations que la moyenne des populations. Elles sont aussi 2 fois plus nombreuses à être stressées par le risque inondation. Si, c'est une petite illustration de à Orléans, le nombre d'actions mises en place et la connaissance des dispositifs. On se rend compte qu'effectivement, il y a quand même une espèce de corrélation. Et pour revenir à notre inconfort psychologique, on s'est rendu compte en croisant nos données qu'à Orléans, il était lié à la recherche d'informations, à la mise en œuvre d'actions, au nombre de sources d'informations, au nombre de dispositifs réglementaires connus et à la position dans l'échelle de perception du risque et d'adaptation des comportements. Et on voit bien ici que nos personnes qui sont en action, elles sont. Alors c'est sur des petits nombres, hein, faut faire attention. Je le dis, on a fait du qualitatif et c'est difficile de donner trop de poids au pourcentage qu'on en tire. Mais on se rend compte que sur nos personnes qui sont en action, on a 67% qui sont en inconfort psychologique et en maintenance on a 33%, alors que les personnes qui sont en pré-contemplation ne sont même pas 10% à se sentir stressées par rapport aux inondations. Donc faire percevoir la menace pour initier la prise de conscience, la nécessité du changement peut être quelque chose d'intéressant. Il faut évidemment être capable de gérer et d'apaiser la crainte une fois que les gens passent dans les stades qui suivent. Pour renforcer la sérénité des personnes qui ont mis en place des actions, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire. Les gens qui ont mis en place des actions nous disent se sentir encore en inconfort. En gros, on s'est rendu compte qu'ils avaient encore des inquiétudes sur la qualité des actions qu'ils avaient mises en œuvre et si ça allait vraiment les protéger. Donc on s'est dit pouvoir accompagner les personnes qui mettent en place des actions et leur proposer une validation du bien fondé de ce qu'ils ont mis en place, c'était important pour eux. Et puis, je terminerai là-dessus, on se rend compte que les 2 présupposés de l'information présentive ne fonctionnent pas. Qu'il y a un impact relativement faible des dispositifs réglementaires de sensibilisation, en plus d'une notoriété assez faible. Qu'il y a des objectifs ambitieux pour l'information préventive. Alors, est-ce qu'il faut appliquer de manière homogène à notre territoire national, dont on sait qu'il présente une grande hétérogénéité des situations par rapport au risque d'inondation, les objectifs de l'information préventive ?
ce qu'il faut pour tous les territoires, essayer de viser toute la population avec un comportement adapté, prêt à faire face, prêt à agir pour la sphère collective. Est-ce qu'il faut différencier et sur quels critères plusieurs stratégies mettre en place à l'échelle locale? Et puis, comment de manière pragmatique, en conservant ce qui peut l'être des outils déjà existants et qu'il faut conserver, est-ce qu'on peut pallier les carences de ce qui existe déjà, donner plus de corps, plus de visibilité au dispositif et à l'information préventive? On peut suggérer d'envisager deux grands types de stratégies, selon les situations d'exposition. Ça peut être sur les situations d'exposition où la menace est la plus forte, où la menace sur la population est la plus importante. On peut envisager une stratégie massive qui viserait à atteindre le comportement adapté pour le plus grand nombre de personnes. On peut aussi, pour des zones où les inondations sont un petit peu moins fréquentes, envisager une stratégie ciblée qui viserait à amener les personnes les plus enclines à adapter leur comportement à le faire, et puis à laisser diffuser un peu l'information naturellement. Et puis ces personnes les plus enclines à adapter leur comportement, ça peut être des têtes de relais au moment de la gestion de crise. Ça, c'est deux grandes stratégies. Et puis il y a peut-être aussi une troisième stratégie, quand on a des inondations tous les 2-3 ans, les gens finalement, il n'y a pas besoin de les booster pour qu'ils adaptent les comportements, comme ils ont les pieds dans l'eau tous les 2 ans, c'est plus un problème pour eux en fait. Ça amène à nous amener à cibler différentes catégories de populations, évidemment. Ça nous amène à devoir donner de l'information individualisée, personnalisée pour faire percevoir la menace, donner des solutions adaptées, claires et qui prennent en compte l'incertitude et la complexité des choses. On peut expliquer simplement et clairement la complexité des situations au risque d'inondation aux gens, et ça les aide à accepter cette incertitude. On peut assurer le suivi ainsi qu'une validation des actions. Et évidemment, il faut amener l'information à sa cible, donner de la visibilité et de la lisibilité aux dispositifs qui existent, faire du lien entre les dispositifs, mais aussi faire du lien entre les gens. Le lien entre les dispositifs, ça pourrait être avec un outil web centralisateur. On peut imaginer, il y a Baignade Interdite de l'IAU de France qui propose, en rentrant simplement son adresse, de savoir à quelle hauteur d'eau on est exposé. Par exemple, c'est extrêmement intéressant comme base de départ. Utiliser les canaux de communication d'information privilégiés par la population, le bouche à oreille par exemple. Oui, bonjour, monsieur Emmanuel Leduc, donc je travaille à la DTT 78 et je suis adjoint au chef d'unité paysage risque nuisance. J'ai pas eu le temps de voir au début de votre présentation si vous aviez fait une analyse sur les catégories des socioprofessionnels et différentes personnes que vous aviez ciblées, sur quel niveau social est-ce qu'ils avaient, s'il y avait une différence et s'il y avait éventuellement une corrélation entre leurs connaissances et leur statut social, je dirais. On a effectivement essayé de regarder un petit peu s'il y avait une influence des facteurs sociodémographiques, et c'est difficile. On se rend compte que il y a des petites choses, mais comme on a choisi de faire du qualitatif, on est sur des petits nombres, c'est difficile de tirer des éléments forts là-dessus. Donc je préfère pas m'avancer là-dessus parce que ça semble pas très significatif. Bonjour, David Bouyret, conseil départemental Seine-Saint-Denis. On parle des citoyens, mais on ne parle pas des gestionnaires de patrimoine. C'est-à-dire, nous, ici, on peut admettre qu'on est un peu sensibilisés. Sinon, on serait peut-être resté au bureau à faire autre chose. Mais si on fait le tour, l'exercice séquenal a montré, on est sensibilisé dans toutes nos structures, que ce soit les directions des collèges, les directions culturelles, les directions, toutes les autres directions, autres que celles qui sont un peu spécialisées. On est, à mon avis, à une image un peu similaire à celle que vous proposez. Est-ce qu'il y a eu des études qui montrent qu'on est plus sensibilisé, nous qui avons une responsabilité un peu plus importante en termes d'impact? Alors, nous, on s'est interrogé à le niveau de connaissance, de perception du risque et de comportement des populations. On n'a pas regardé les gens qui ont des fonctions sur la gestion des territoires ou sur la gestion du risque. Voilà. Je peux pas répondre à votre question. Question intéressante, puisque on a toujours l'impression effectivement qu'entre spécialistes, on est toujours un peu plus sensibilisé, mais on se rend compte qu'il y a certaines directions, notamment celle des travaux, j'imagine, qui mériterait d'être sensibilisé. Gilles Hubert, donc, de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. J'avais en fait ces deux remarques. La première est liée à la photo que tu as montrée au départ, où en fait, dans le cadre du plan Rhône, il y a eu une manifestation artistique
sur justement l'inondation. Et il y avait un doudou là qui est sur le fleuve. Et si je me souviens bien, tu nous dis que l'inondation de Arles est un événement qui s'est bien passé. Et j'ai cru comprendre que la ville de Arles avait refusé d'accueillir cette exposition parce que c'est des images qui étaient traumatisantes. Donc c'était une remarque, peut-être que tu as des informations. Et puis la deuxième, en fait, c'était lié plutôt par rapport au monde de la recherche. Alors, je n'ai pas vu Nathalie Potier, si elle était dans la salle. Et en fait, on a travaillé avec Nathalie Potier depuis le milieu des années 90 sur ces questions-là. Et en fait, on arrive au même résultat, notamment à travers le transfert d'informations entre des outils classiques et puis la cible, la population. Donc 95, on est en 2017. Or, en fait, on ne voit pas la diffusion de ce genre de travaux dans les pratiques, et notamment dans l'évolution des politiques publiques. On fait toujours la même chose. On sait, et tu le disais tout à l'heure, que en fait, l'impact est minime. Ça fait des années qu'on fait la même chose. Et donc, on se retrouve dans une situation toujours identique. Et j'ai l'impression que c'est en fait aussi lié au fait également qu'on ne sait pas quoi demander ou comment, enrôler les populations par rapport au risque. Et du coup, les pouvoirs publics produisent et se disent bah, on a fait le job, on a produit ce qui était prévu réglementairement. Et on ne s'intéresse pas à l'impact que ça peut avoir, sauf quand on fait des travaux comme ceux du CEPRI ou d'autres recherches. Et il y a quand même un gap entre les travaux et puis les retours d'expérience et leurs effets sur les politiques publiques. Oui, je laisserai peut-être Julien compléter ce que tu viens de dire ou apporter peut-être un peu de nuance. Alors effectivement, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Arles et Orléans, on les a aussi choisis parce qu'elles respectent leurs obligations réglementaires. C'est important de le préciser. Mais voilà, il y a des actions complémentaires qui sont mises en œuvre autour des dispositifs. On en a vu, y a encore la liste qui est là, qui est pas négligeable. Mais effectivement, il faut peut-être se demander soit si le législateur a prévu des objectifs trop ambitieux, ou alors s'il a prévu des outils qui ne sont pas à la hauteur des objectifs. Et voilà. Et puis, est-ce qu'on va plus loin et comment on va plus loin? Moi, ce que j'avais trouvé avant de faire ce travail, c'est qu'il y avait certaines études sur les dispositifs réglementaires de sensibilisation des populations, mais qui étaient plus sur combien est-ce qu'il y a d'ICRIM, combien est-ce qu'il y a de PCS, parce que c'est en lien avec le PCS. On était plutôt, est-ce que les ICRIM respectent la forme qui leur est demandée? Mais il y avait peu d'études sur l'impact des dispositifs. Il y a l'IRMA qui avait mené des études sur l'impact sur la connaissance qu'amenaient les dispositifs, mais pas sur l'impact sur les comportements. Voilà. Moi, j'avais l'impression qu'en regardant l'impact sur les comportements, c'était quelque chose qui était un petit peu novateur, et que voilà, maintenant, il faut peut-être effectivement porter cette connaissance à un peu plus large échelle. Et pour rebondir sur le premier point dont tu parlais, j'avais pas connaissance de ce refus de la mairie d'accueillir cette exposition. Maintenant, c'est vraiment presque 15 ans après, le ressenti des personnes qu'on a interrogées par rapport à l'inondation, c'est que globalement, ça a été correctement géré par les autorités, il n'y a pas eu de mort, et si jamais ça doit se reproduire, on l'a déjà fait, on saura. C'est vraiment globalement l'état d'esprit, et entre nous, on a parlé de bonhomie par rapport au risque d'inondation. Parce qu'il y a ce côté, c'est bon, on a vécu, on a fait face, on y arrivera à nouveau.